torches allumées en plein midi dans les rues de Ndali. Ces femmes, artisans, enseignants, que dis-je, tout le peuple de la cité de Bonakiri est à la recherche du jeune prodige Olivier Boko. Ils ont par la suite adhéré ce samedi 24 février 2024 à la coalition OB26 pour porter au pouvoir Olivier Boko en 2026 afin que les actions entreprises par le chef de l'État Patrice Talon depuis 2016 puissent se poursuivre. Nous avons décidé de prendre nos responsabilités pour donner à notre pays l'homme qu'il faut pour la préservation du positif, de la rupture qui regorge d'ailleurs d'énormes trésors et l'amélioration, sinon la perfection des mêmes domaines, surtout le social. Nous voulons saisir cette occasion pour demander à tous nos aînés, hommes comme femmes, têtes couronnées, les jeunes, les artisans, les transporteurs, à nous rejoindre dans cette dynamique pour qu'au soir des élections présidentielles de 2026, le Bénin en général puisse continuer dans la dynamique du développement et améliorer ce qui doit l'être. Jeunes et têtes couronnées de Ndali sont prêts à braver monts et vallées pour hisser très haut les idéaux de la coalition OB. Nous avons des enfants, ils ont été à l'école, ils ont leur diplôme, ils sont à la maison, ils ne font rien. Donc, M. Boko, Olivier, il est là pour nous aider pour le développement de notre pays. Donc, nous aussi, qu'est-ce que nous allons faire pour l'aider? Les femmes, vous êtes là pour nous aider, non? Alors, acclamez pour M. Boko. Discret, pieux et respectueux des valeurs humaines mérite de diriger notre pays. C'est fort de cela que nous, jeunes de la commune de Ndali, nous appelons à sa candidature aux élections présidentielles de 2026. Le message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds et les responsables de la coalition OB 2026 rassurent. Je vous rassure que nous serons sur la ligne de départ en 2026. Le président Boko Olivier sera sur la ligne de départ en 2026. Et avec Olivier Boko, vous aurez vraiment ce que nous appelons un budget hautement social. Un budget hautement social dans la pratique et non sur le papier. Boko est un homme d'engagement et notre conviction. À travers tout le Bénin, il a beaucoup fait de bien. Beaucoup le connaissent en Darnise. Il connaît correctement le pays. Peuple de Ndali, nous avons écouté avec grand intérêt votre souhait de voir à la tête de notre pays, au soir des élections présidentielles de 2026, votre frère, votre ami, votre époux, votre champion, Olivier Boko. Ce n'est pas un inconnu qui vient du ciel, mais c'est une étoile que la nature a bâtie, a construit, parce que certainement il était destiné à relever des défis dans notre pays. Les populations des différentes communes du pays sont prêtes à accompagner Olivier Boko dans la quête du pouvoir en 2026. Il ne reste que son oui pour mettre la machine en marche sur toute l'étendue du territoire national.